Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo très très spéciale et je n'ai jamais porté les fossiles. Alors cette vidéo, ça sera la première. Alors j'ai deux qualités de fossiles. Alors ça, j'avais acheté quand j'avais acheté certains produits dans un site et après. Je crois après avoir reçu mon paquet et commencé à m'envoyer des fossiles à essayer. Il y en a qui sont comme du fil, il y en a qui sont comme du plastique. Hein? Ça là. Alors, et ça là, c'est une qualité, on dit, fossile de haute gamme. Alors, ça, je les ai achetés en selle. Il y en a combien de paires? 1, 2, 3, 4, 5 paires. C'était en selle. Normal, le vrai price, c'est 12 dollars. Et moi, je les ai achetés à 3 dollars. Alors, comme c'était à un bon prix, j'avais acheté un paquet, mais sinon, il y avait beaucoup de paquets. Les filles qui s'y connaissent bien se précipitaient pour prendre beaucoup de paquets, mais j'avais pris un paquet. Alors, il y a ça là qui porte un peu de brillant. Et je suis invitée à un mariage. Alors, je vais garder ça pour le mariage, mais entre-temps, je veux pratiquer. Comment porte ça? Oh my god, that's gonna be fun. Alors, je veux le faire vraiment en direct. Il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de tout, tout. Je veux le faire en direct. Alors, il y a la colle. Et ça là, il n'y a pas la colle. Et ça, il y a la colle. Je sais même pas comment on enlève ça. Oh my goodness. Alors, je vais utiliser. Ok, je vais utiliser. Ce truc à épiler pour l'enlever doucement, doucement. Oh. Ok, et je vais le flip over. C'est comme si ça a déjà la colle. Alors, je vais placer la colle. J'espère que je ne suis pas allergique. Je veux placer la colle. Je n'ai même pas lu le manuel. Parce qu'il y a d'autres colles quand tu fais, tu dois pas poser aussitôt. Where is the book? Where is the book? On dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Appliquer une fine couche de colle à cils à l'aide de l'outil applicateur, du long et de base du cil. Attendez 30 secondes ou jusqu'à ce que ça devienne adhésif. Durant ce temps, tenez la bande de cils par les deux bouts de la base et le bout de la base en les fléchant en forme de fer à cheval. Ce pas permet d'établir un contour qui assure une adaptation facile et commodée à la paupière. Centrez le cil artificiel sur la base de vos cils naturels et appuyez les doigts, plutôt appuyez les bouts en plaçant. Pour fixer le cil solidement, appuyez doucement sur la bande du cil d'un bout à l'autre jusqu'à ce que l'adhésif soit séché. So, let's get started. Oh my goodness.
Alors, j'ai mis la colle, je crois que le temps que je l'ai laissé, ça fait déjà 2 séquelles. Ah, je vais tenir ça. Je vais poser, je vais regarder le miroir, pardon. Échoué. Ça, c'était la première tentative. Échoué carrément. Oh my God. Alors, les filles, je ne sais pas comment vous faites pour porter ça. Vraiment, je ne sais pas. Première tentative, échouée. Je vais ajouter la colle. J'ajoute la colle. Hein? Oh my God. J'aurais préféré que quelqu'un me mette ça. Mais c'est pas toujours la solution parce que you have to try harder and harder, harder, okay? Alors, oh my God. Ça a l'air de marcher. Ce côté-là, ça a marché, mais au début, là, c'est la merde. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter la colle. Ouh! Oh, j'ajoute la colle. Ouh! Ouh! J'ajoute la colle et hop. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais un peu déplacer la caméra. Regardez ce que ça a donné. Oh my goodness.
Ça, c'est la deuxième tentative. Regardez ce que ça fait. Oh my god, so we're gonna need another practice. Voilà, alors je vais essayer de l'autre côté. Ça n'a pas vraiment bien collé. Mais je vais essayer de l'autre côté. Ah, c'est comme si l'œil veut se fermer. Oh. Alors, je vais faire de l'autre côté. Ouh, je sens comme si j'ai des choses. J'ai envie de faire comme ça. Ah, je ne sais pas comment vous supportez ça, mais que... La beauté, tu vas nous t'emmener loin. Alors. Je sais que je vais pas aller au salon mais ça, mais you have to try. Alors, deuxième, le, je sais pas comment les filles, comment vous portez ça, mais franchement, chapeau. Hein? Je fais ça comment? Comme ça. Mais je ne vois pas. Alors, ce côté-là, je dirais que ça a plus marché par rapport de l'autre côté. Alors, je vais déplacer un peu la caméra pour voir l'autre œil. Voilà l'autre œil. Mais ici, ça n'a pas bien marché. Ici, quand même, c'est un peu joli par rapport à l'autre côté. Voilà. Première tentative. Yeah. Ah, là, là, là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter mon mascara. Mais je vous dis, oh, je sens comme si je sais pas quoi. Alors, non. Je vais ajouter un peu de mascara. Alors, j'avais pas mis de eyeliner parce que je voulais voir ce que ça va donner. Mon eyeliner a fini. Je vais cacher.
Alors, je ne sais pas, il faut d'abord mettre le eyeliner, après le faux cils, ou... je ne sais pas parce que je ne suis pas habituée à ça. Alors, voilà. Voilà mes yeux. Vous voyez que ici ça traîne un peu parce que ça n'a pas vraiment du tout bien collé. Et ça traîne. Et l'autre, l'œil, ça a bien réussi. Alors, je crois qu'avec la pratique, ça ira d'ici là. Mais ça, j'ai l'impression que ça veut tomber ou quoi. Mais de l'autre côté, non. Yeah. Alors voilà ce que ça donne. Alors c'est à vous de juger. Et voilà. Alors je vous remercie. Riez, 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 riez. Commentez, commentez, riez, ok? Alors à tout de suite. Bisous, bye.